plus arcade que ça, tu meurs. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test de Trackmania Turbo, sorti sur à peu près toutes les machines actuelles, PS4, Xbox One et PC, Wii U peut-être, prochainement, non je rigole. Et donc Trackmania Turbo est un jeu évidemment de course, ah il n'y a pas de son. C'est vrai que j'avais enlevé le son. Alors, devinez pourquoi j'ai enlevé le son. Tout simplement parce que j'aime pas l'OST. Ah, et on peut enlever les... Enfin, on active les voix ou... C'est où déjà le son? Parce que j'avais mis musique en jeu, on. Ah, ça doit être bon. Ok. C'est déjà en freestyle. Et c'est quoi cette gélule là au-dessus de Dr Mario là? En haut à gauche. Putain, Ubisoft, hein, c'est des légendes. Voilà, évidemment, fait par Ubisoft. Et donc nous avons le choix entre dans ce menu fort simple. Nous avons le track Builder. Donc qu'est-ce que c'est? C'est Builder, construire. Construire nos propres circuits, voilà. Ça c'est l'online que j'ai jamais testé, jamais fait pour l'instant. Même si perso ça m'intéresse pas trop dans les Trackmania, l'online. Et la campagne évidemment, ce qu'on fait tout de suite quand on commence un Trackmania. Donc alors campagne double driver, alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, j'ai testé, c'est assez sympa. Ça a été d'ailleurs complètement vendu. C'était complètement le truc qui a été le plus montré dans ce jeu lors de l'E3, tout ça. Et des trailers. Et bien, le campagne double driver, tout simplement, c'est qu'on conduit un bolide à deux joueurs. Donc, en gros, on tourne à droite et. Mince, on tourne à droite. Si on tourne à droite et que l'autre joueur tourne à gauche, bah le véhicule ne tourne pas, tout simplement. C'est à nous de comment on conduit tous les deux la bagnole en fait. Et donc en gros, je pense que quand on tourne à droite, quand un joueur tourne à droite, la bagnole tourne à 50%. Donc elle tourne pas énormément quoi, 50% de ses capacités. Et il faut que l'autre joueur tourne à droite aussi. Pour qu'elle tourne à 100% de ses capacités, comme quand on joue tout seul finalement. Et je trouve que c'est une assez bonne trouvaille, c'est assez marrant. J'ai essayé avec quelques potes, mais bon, même si mes potes ce sont des casuals, des grosses bouses, faut le dire. Voilà. Ils savent pas trop utiliser, ils ont jamais joué à des Trackmania. Et ils jouent pas mal à des FIFA, hélas. Donc voilà, on va se faire une petite course à la traditionnelle. Donc alors Trackmania, qu'est-ce que c'est principalement? Ce sont des courses très courtes la plupart du temps, qu'on fait en un seul tour, normalement. Des fois il y a 5 tours, mais ça c'est hyper rare. On fait en un seul tour. Qu'est-ce que c'est en fait exactement? Tout simplement, ce sont des courses... Allez, comme par hasard, là c'est une course où il y a plusieurs tours. Donc vu son temps, j'ai l'impression que c'est plusieurs tours. Donc tout simplement, ça a un côté très arcade. Bah pourquoi? Bah parce que vous allez voir. Bah déjà les véhicules se conduisent parfaitement. Il n'y a pas de, c'est pas trop une simulation parce que la plupart des jeux qui simulent la réalité, bah on n'a pas une très bonne maniabilité. Finalement, en fait, dans la réalité, c'est vraiment ça. Mince. On a une maniabilité moyenne. Enfin, c'est plus compliqué à conduire un bolide, alors que souvent dans les jeux de course arcade, très arcade, ben on peut tourner voilà d'une façon très simple, même si là je galère, mais le jeu est très technique quand même. Mais là son côté arcade, ben on dit surtout que c'est un jeu type arcade, parce que vous voyez les circuits ne sont pas du tout réalistes, hein, on fera jamais une course de bolide sur des circuits voilà comme ça. Où on s'en prend plein la gueule et où on fait des loopings à tout va. Comme si c'était naturel.
Donc voilà, ce que je trouve bien dans les Trackmania, c'est que bah finalement on s'en fout de la réalité, hein, c'est. On fait tout ce qui est plus fun, quoi, avec un circuit et un bolide. Donc là, ça c'est la nouveauté, de cet opus, le turbo. Qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, c'est dès qu'on roule sur les flèches nous permettant d'aller plus vite, et ben on a du turbo. Et le turbo est activé que quand on voit. Je joue n'importe comment, mais on va changer de course. Là, faut souvent être concentré, hein, dans Trackmania. Hein, on va faire les premières courses. Sachant qu'il y a 4 environnements différents. Et donc, oui, le turbo, j'ai pas fini. Le turbo nous permet d'aller plus vite. Et évidemment. Et surtout, bah, le turbo est activé que quand notre bolide est enflammé à l'arrière, quoi. Je sais pas comment on appelle ça là, derrière les. Enfin, je suis pas un mécanicien, moi. Mais vous savez bien ce que je veux dire, voilà. Comme dans Mario Kart Wii, quand vous faites une acrobatie, le véhicule s'enflamme. Voilà. À l'arrière. Donc là, avec ce véhicule-là, on jauge beaucoup le dérapage. Purée, j'ai fait n'importe quoi. Putain, j'allais en plus bien réussir. Bah, il suffit d'une petite erreur et c'est la catastrophe, hein, par contre. C'est un jeu très très difficile à ce niveau-là. Les médailles d'or sont très dures à choper. Même si après vous avez médaille bronze et médaille d'argent, c'est très facile. Par contre, médaille d'or, c'est une autre paire de manches. Et en plus de ça, après vous avez les médailles Nadeo. Alors qu'est-ce que sont les médailles Nadeo? Tout simplement, les médailles Nadeo, bah c'est parce que le jeu a été fait par Nadeo. Les développeurs, c'est Nadeo et éditeur Ubisoft. Et Nadeo, les médailles Nadeo, c'est tout simplement que vous avez battu. Bah, le meilleur temps des développeurs. Donc là, vous la pétez, voilà. Et sachant qu'il faut récolter le plus de médailles possible pour pouvoir débloquer les circuits d'après. Sachant que il faut avoir quand même beaucoup de médailles, voire bah, avoir toutes les médailles déjà pour débloquer les derniers circuits. Les circuits dans les pistes noires. Voilà, les plus dures pistes. Donc, au niveau des pistes, nous avons bah, les pistes blanches, qui sont les plus simples, même s'il y en a certaines qui sont assez chaudes. Les pistes vertes, qui là, ça commence vraiment à être chaud, quand même. Les pistes bleues sont encore d'un niveau au-dessus. Les pistes rouges, où là, faut être un pur gamer. Et les pistes noires, alors là, faut être soit un psychopathe, soit avoir... pas autre jeu, enfin avoir que jouer 4 Trackmania dans sa vie, quoi. Voilà, parce que bon, par exemple dans Trackmania United, qui d'ailleurs ne marche plus avec ma nouvelle carte graphique, je sais pas pourquoi, enfin il marche mais il n'y a plus de texture, c'est moche. Là, ben, j'ai resélectionné ça sans le faire exprès. C'est que j'ai envie d'avancer, voilà, on a toujours envie d'avancer dans Trackmania. Alors on peut faire piste suivante direct, franchement l'interface est nickel là-dessus. Sauf pour l'interface des... bah tiens, Homer J. Simpson. Il y a souvent des références à des personnes assez connues. D'ailleurs, c'est la première fois que je tombe sur ce Homer Simpson, c'est incroyable. Voilà, il y a souvent des références sur des personnes connues. Dans les temps de chargement, des phrases occultes. Enfin, je pense. Enfin, je fais n'importe quoi. Mais voilà, là on est dans les canyons. Ah, donc vous voyez, il y a toujours les canyons, hein, dans Trackmania, ça n'a pas changé. Il y a quand même beaucoup d'environnements repris des anciens Trackmania. Enfin, canyons.
Le Stadium, évidemment, mais bon, le Stadium, c'est la marque de fabrique hein, des Trackmania. Cette skill monumentale et ce bug magnifique. Bon, on va faire un niveau en dessous parce que je galère trop à parler en même temps et faire les pistes. Vous voyez que j'ai pas tout fait, hein, je suis même pas à la moitié. Mais bon, après, moi, je vois que la durée de vie, voilà, elle est colossale, évidemment. Et je peux déjà vous dire aussi que ce Trackmania Turbo est beaucoup plus il est beaucoup plus travaillé que de Trackmania United ou même Trackmania 2 je pense. Mais si Trackmania 2 j'ai pas trop joué, j'ai joué qu'à la démo. Parce que ça coûte la peau du fion, Trackmania 2, faut le savoir. C'est à moitié du vol ce jeu. Vous achetez juste un environnement pour un environnement, et bah ben c'est 30 balles. Voilà. Alors que là, ce Trackmania Turbo, vous avez 4 environnements, et c'est. Le jeu coûte 35 balles. Voilà. C'est beaucoup plus rentable, et on a vraiment ben, un bon contenu. Alors que dans Trackmania 2, le contenu, je pense, était un peu moisi, parce que bon, si c'est sur qu'un seul environnement, vous vous rendez compte du truc, quoi. C'est bien pour un jeu à 10 euros, mais bon, 30 euros, faut pas déconner. Et donc voilà le Stadium, voilà, évidemment, présent dans tous les Trackmania. Oui, je sais pas ce que je fais non plus. Voilà. Y a plus de musique, je sais plus comment on remet la musique, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi je... Franchement, je m'en fiche royalement des thèmes, hein, de l'OST, hein, je le dis clairement. Ce qui est très moyenne. Hein. Bah, c'est du classique, c'est un peu de l'électro ou de la dance. Mais bon, c'est... Je suis pas trop fan. Même si ça va plutôt bien dans l'environnement, dans... Ça va plutôt bien dans le... Dans le ton du truc, quoi. Et bon, moi je suis pas fan de cet OST, donc du coup, à chaque fois je me mettais d'autres musiques en même temps. C'est ça qui est bien quand on a un PC. Alors, on va faire bronze, hein, parce que voilà. Je vais prendre skill monumental quand je parle. Surtout que bah faut refaire souvent plusieurs fois le circuit quand même. Au début on fait un peu de la merde quand on connaît pas du tout le circuit. Voilà, comme là. Parce que bon, c'est pas comme dans Mario Kart où les circuits tu t'en souviens parce que voilà tu les refais plus plein de fois. Là tu les refais presque jamais ces circuits là. Tu les refais juste parce que t'as pas la médaille d'or. Après dès que t'as la médaille d'or t'as pas trop d'intérêt de refaire le circuit, quoi. Bon, après, c'est un peu ça le problème des Trackmania, c'est que... Après, à part avoir les médailles, après, finalement, quand t'as déjà fait le circuit, après... essayer de battre ton record, ouais, mais... C'est... La rejouabilité n'est pas sensationnelle. Et puis le mieux aussi, c'est surtout de jouer entre potes à ce genre de jeu, et c'est pour ça que ils ont enfin mis, oui, enfin, enfin, Nadeo ont compris, ils ont mis le multijoueur local. Bordel de merde, local. C'est une révolution sur PC, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça sur PC, c'est monumental, voilà. Bon, sur PS3, sur PS4 et Xbox One, c'est normal. Mais sur PC, c'est impensable. Et ils l'ont fait. Ils ont réussi à faire des écrans scindés sur PC. Bon allez, j'arrête. Mais voilà, ça me saoule qu'on ait pas assez de jeux sur PC multijoueur local. C'est un peu chiant. Heureusement que j'ai la Wii pour ça. Voilà, franchement, il était facile celui-là.
Ah mais non, mais je me suis viandé, les Multiders étaient devant en fait. J'ai cru que c'était mon temps à moi avant. Mais... Je sais plus. Aussi, je vais vous montrer d'autres circuits. Enfin, d'autres environnements plutôt. D'autres véhicules. Tiens, là, voilà, c'est classique. Là, vous voyez, il y a des loopings au bout. C'est plutôt classique. Bon, allez, on va faire les loopings pour le fun. Et voilà, on a déjà vu ça dans Trackmania United. C'est pas ça la révolution. Parce que oui, j'avais pas fini ma phrase. Je disais que ce Trackmania est beaucoup plus travaillé au niveau du level design par rapport aux autres, qui étaient déjà très bons au niveau level design, mais celui-là, il explose tout. Parce que il y a déjà le roller coaster de Lagoon. Bon, le Down Dirty Valley, voilà, la vallée, on l'a déjà dans Trackmania United et on en avait marre. Bah ben là, c'est pareil, on en a marre aussi. Mais ils ont amélioré des trucs, le véhicule est... c'est moins une savonnette qu'avant. Voilà. Et donc on va prendre Roller Coaster, qui est pour moi bah, le meilleur environnement. Et c'est la nouveauté de ce Trackmania et Turbo. C'est que bah, on peut voir que le level design est beaucoup plus travaillé dans cet environnement. Car bah, déjà il y a l'histoire du de l'antigravité. Qui est d'ailleurs à la mode en ce moment parce que Mario Kart 8 s'y met aussi. Mais voilà, enfin, je pense que Nadeo ont copié Nintendo à ce niveau-là. Ou Crash Nitro Kart. Donc voilà, et ce véhicule est très maniable aussi. On tourne franchement parfaitement avec ce véhicule-là. Pas besoin de faire des dérapages, tout ça. Donc là, franchement, c'est pas du tout joué dans les dérapages pour avec ce véhicule-là. C'est surtout joué dans bah voilà l'antigravité. On est toujours à l'envers, on va dans tous les sens. Voilà, c'est et puis le level design est vraiment sympa. Voilà, sinon bah, cette version PC, mais y a pas besoin d'un PC de la mort qui tue tout pour le faire tourner assez aisément en 1080p et 60 fps. Bon, il faut un minimum quand même une GTX, hein. Mais bon, vous prenez une GTX 650 ou... Je fais n'importe quoi. Ou 550, franchement, ça passe nickel. Puis processeur, je pense même avec un i3, ça passe, hein. Donc voilà, c'est franchement... un jeu très bien optimisé car il est quand même très beau et malgré ça bah, presque tous les PC gamers peuvent le faire tourner très aisément. Même un PC gamer gamme moyenne. Bon, moi j'avoue avec ma GTX 980 je m'amuse à faire du 4K DSR. En fait c'est une simulation de 4K parce que bon j'ai pas une télé 4K, je suis pauvre. Mais voilà. Et franchement, ça rend le jeu vraiment encore plus net et encore plus beau. Mais voilà, en 1080p, il est déjà très très bien. Et y a le seul problème, c'est que je mets tout à fond sauf l'eau. Je crois que j'ai mis en moyen l'eau, ou en élevé. Car en très élevé... Et bah, il y a un espèce de bug graphique avec l'eau, donc voilà. Je sais pas d'où ça vient, mais voilà, c'est. L'eau est assez immonde. En ultra. Ou très élevé. Donc voilà, pas mettre tout de suite très élevé partout, tout simplement. Enfin, juste l'eau. Faut... C'est un peu comme Far Cry 1, l'eau est assez immonde en ultra. Sur certaines cartes graphiques. Donc voilà, on enchaîne. Là, vous voyez bien le principe de ce véhicule, c'est qu'on est sous les tropiques, hein, à la Far Cry style. Vu que je parlais de Far Cry. Ah, mais là, on glisse complètement parce qu'on est sur le sable, c'est catastrophique.
Mais voilà. Et puis de loin, la végétation est très bien faite. Enfin, les buissons en tout cas, mais de près. Attends, est-ce qu'on va trouver des buissons? Ah, on trouve pas de buissons. Ah si, voilà, là on en trouve, enfin des arbres. Des arbustes. Voilà. C'est de la 2D. De la bonne vieille 2D à l'état pur. Donc de loin, esthétiquement c'est beau. Mais faut pas trop se rapprocher des arbres, quoi. Parce qu'ils utilisent la bonne vieille méthode JPEG, hein, chez Nadeo encore. Comme à l'époque dans le premier Trackmania, quoi. Aïe. Et voilà, petite remarque, ils disent sous toutes les langues différentes 3-2-1 au début. Ah, il y a aussi les gestions de dégâts. C'est une nouveauté. Ça y était jamais dans les anciens Trackmania. Peut-être un peu dans le 2, mais bon, c'était pas très bien fait. Alors que là, on voit vraiment le capot qui s'envole quand on s'en prend plein la gueule. Et puis en plus, j'ai remarqué ça. C'est ce qui est assez bien fait, c'est que les impacts sont vraiment pris en compte, quoi. Quand par exemple, on se prend un arbre. Un arbre en plein sur la carrosserie droite du véhicule, bah on voit vraiment après l'impact à droite de la carrosserie, quoi. Et ça, c'est quand même assez sympa. Et donc voilà, que dire de plus à part, bah, là évidemment je peux pas vous montrer le truc de joueur parce que bah, je suis tout seul. Mais franchement, faites-le entre potes, franchement on peut vraiment s'éclater et rester longtemps à conduire un véhicule pour deux. On peut s'engueuler aussi et dire « Pourquoi t'as tourné à gauche ?» Et voilà. Bon, bien sûr, il faut bien vous entendre avec votre coéquipier. Être en parfaite harmonie avec votre coéquipier. Et aussi, je vous en ai pas parlé, c'est aussi une grande nouveauté, ce Trackmania Turbo. Il y a pas mal de nouveautés, hein, ils sont un peu relou. J'ai envie de dire que Nadeo, hein, ils sont un peu réveillés, là. Bon, déjà, ce Trackmania Turbo est sous un nouveau moteur graphique, bon, comme le 2, on va dire. Mais déjà, le niveau level design, c'est complètement... c'est mieux, franchement. Même les circuits stadium, enfin tout le reste, je trouve que le level design est franchement mieux géré. Les circuits sont bien plus sympas à parcourir. Bon, même si un petit Trackmania United aussi, à refaire par la suite, on dit pas non, hein. Mais bon, quand on touche un peu à Trackmania Turbo, on reste que sur Turbo finalement quand même. Le United, on le laisse tomber, hein, on le laisse de côté. Ou Trackmania 2, je pense aussi. En tout cas, en voyant les démos. Mais oui, la grande nouveauté aussi, voilà, de ce Trackmania Turbo, c'est que on peut. Bah déjà, le créateur de map est beaucoup plus complexe. On peut faire beaucoup plus de choses, parce qu'évidemment, le level design est complètement renouvelé. Mais en plus, si on a la flemme, si on veut pas se faire chier, et si on veut un jeu qui a une durée de vie illimitée, eh bien, on utilise la gestion automatique de la map, enfin du circuit. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est en fait l'IA, l'ordinateur, qui construit automatiquement une map, comme ça, pendant l'éditeur de cartes. Ce qui peut aussi permettre moult circuits différents. Et surtout, en plus de ça, on peut d'abord, si on n'a pas trop d'inspiration, on peut d'abord laisser l'ordi gérer. Et puis par la suite, je sais pas, à peu près au milieu du circuit, on peut tout changer la fin du circuit qu'il a créé.
Et grâce à ça, ça peut nous donner des idées à faire. Enfin, ça peut nous donner des idées assez intéressantes niveau level design. Et ça, franchement, c'est une très bonne trouvaille. Et en plus de ça, bah, j'ai testé et à aucun moment il y a des circuits impossibles à faire. À chaque fois, l'ordinateur te crée un circuit possible à finir. Et ça, c'est, je pense que c'est d'ailleurs ça qui, bah, c'est même sûrement ça, qui a d'ailleurs repoussé la date de sortie du jeu d'au moins 4 mois, car de base, il devait sortir en novembre 2015, mais il est sorti en mars 2016, si je ne me trompe pas. Ah, ce circuit est très sympa aussi. Ah là, mais je fais n'importe quoi! C'est fun! Enfin, vous voyez, c'est quand même des circuits, à chaque fois, c'est du die and retry. Au début, vous faites de la merde, et puis après, bah, vous jouez de mieux en mieux. Mais voilà, au début, forcément, le circuit est trop compliqué pour être fini parfaitement, quoi. Au pire, au mieux, vous avez la médaille d'argent. Voilà. Et bronze. Parce que médaille d'argent et bronze, franchement, c'est des médailles très faciles à avoir. Que médaille d'or, après, c'est une autre paire de manches. Et puis, Nadeo, je vous en parle pas. Là, faut être un dingue. Voilà. Mais, je ne sais pas, les derniers circuits de ce Trackmania Turbo. Parce que, j'ai pas encore. Bah, je l'ai pas fini, vous avez vu. Bah, même si on peut y accéder directement au dernier circuit grâce au mode de joueur en écran splitté. Car il nous propose direct les. Il nous propose direct tous les circuits du mode campagne. On peut choisir également nos circuits créés. Même si moi, pour tout vous dire, j'en ai pas créé un seul circuit. Juste testé comme ça plusieurs fois le créateur du circuit, l'éditeur du circuit. Mais bon, ce sera fort sympathique que je fasse des circuits, hein, pour la suite des épisodes Trackmania Editor. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description si vous ne savez pas ce que c'est comme série de vidéos. En tout cas, ce sont pas une série de fails comme là. Oui, regarde ça, oui. C'est magnifique. Il n'en peut plus, le commentateur. What doing here? Qu'est-ce que tu fous ici? Voilà, les loopings, comme d'habitude. Sachant que les loopings, quand on est en antigravité, il faut prendre en compte qu'on est en antigravité et que donc on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de bien se diriger pendant le looping. Car la bagnole se dirige tout seul, enfin toute seule, enfin elle bouge pas, quoi. Merde. Et d'ailleurs, on ne tombe pas, on n'a pas besoin d'avoir une grande vitesse pour pouvoir réussir à faire le looping, vu qu'on est en antigravité. Donc voilà, ça change complètement bah, le gameplay des loopings, finalement. Donc voilà, que dire de plus? Après, voilà, Trackmania, c'est très technique. C'est pas, y a pas n'importe quel joueur qui pourra débloquer toutes les courses, évidemment. Même moi, par exemple, pour être honnête, j'ai pas débloqué toutes les courses dans Trackmania United. J'ai utilisé un cheat code pour avoir les pistes noires. Enfin, je crois que j'avais fait toutes les pistes rouges, mais les pistes noires, par contre, impossible. La première, d'accord. Non, c'est là, faut vraiment être un gros psychopathe, quoi. Faut jouer des heures et des heures pour réussir. Surtout qu'en plus, on a une piste, je vous jure, dans Trackmania United. Piste noire qui dure 1 heure. Oui, vous avez bien entendu, 1 heure. 1 heure à faire aucune faute, parce que contre un médaille d'or, faut faire presque aucune faute.
enfin en tout cas jamais se prendre un mur. Donc franchement c'est non, pas possible. Une heure quoi. Mais non mais qui a fait ça? Ils sont tarés les développeurs. Voilà, le jeu le plus difficile au monde, c'est pas Ghosts and Goblins sur NES, mais c'est Trackmania United. Voilà. United Forever. Voilà, c'est lui, c'est le plus dur. Et ce Trackmania Turbo, je ne sais pas s'ils sont aussi tarés pour les pistes noires. Et ça sera la surprise quand je serai rendu plus loin. On verra ça, on fera peut-être un vidéo défi, je sais pas. Si je serai motivé. Donc voilà, Trackmania Turbo est un jeu très compétitif, très technique. Après oui, n'importe quel joueur peut commencer le jeu, mais bon, il peut pas aller bien loin si c'est un casual, voilà, si pas très doué. Faut quand même avoir beaucoup de patience, parce qu'il y a beaucoup de die and retry dans les Trackmania, évidemment, comme d'habitude. Mais voilà, pour moi, ce sont les meilleurs jeux de course, type réaliste, on va dire, parce que bon, on est dans graphiquement, c'est réaliste. Mais sinon, moi, je suis pas trop jeu de course. Need for Speed, par exemple, c'est pas trop mon dada, c'est pas trop mon truc. Même si je trouve ça sympa, mais j'y jouerai pas des heures. Quoi. Que Trackmania, on se prend vite fait au jeu et ça peut être une drogue, voilà, on peut jouer des heures et des heures, toujours à vouloir faire des meilleurs temps ou aller plus loin, découvrir plus de nouveaux circuits encore plus dantesques et plus loufoques. Donc voilà, et puis vous avez vu, voilà, les véhicules sont... Y a rien à dire là-dessus, niveau modélisation des véhicules, y a rien à dire. Bon, graphiquement, sinon, c'est un peu... C'est assez impressionnant, mais c'est pas non plus le jeu next-gen niveau graphisme. Hein, vous pouvez trouver mieux. Bon, en jeu de course, je pense quand même que c'est assez difficile de trouver mieux. Mais sinon, pour tout, bah, voilà, par exemple, Uncharted 4 sur PS4 est plus beau que ce Trackmania Turbo version PC. Voilà. Voilà, surtout on recherche pas les graphismes évidemment. On recherche le fun dans les Trackmania. La compétition. Enfin, toujours gagner plus de médailles. Plus de médailles, s'il vous plaît. Et voilà, c'est la fin du délire. Donc voilà, Trackmania Turbo. Comme. Tous les jeux de Trackmania est un bon jeu, bon, même si Trackmania 2 c'est une escroquerie, car c'est pas la version finale que vous avez quand vous achetez 30 euros. En gros, faut acheter 90 euros pour l'avoir, la version finale, voire plus, je crois, et 80 euros dedans peut-être, donc 120 euros. Voilà, 120 euros pour finalement un Trackmania Turbo. Voilà, Trackmania Turbo a le même nombre de circuits pour 35 euros. C'est un peu n'importe quoi avec Trackmania 2. Hein. Et donc voilà, ce Trackmania Turbo est franchement le meilleur pour l'instant des Trackmania. Il a su exploiter encore plus ce level design de loufoque, notamment grâce au Roller Coaster Lagoon, mais pas que. Il y a aussi le Stadium où ils ont repris évidemment le level design des anciens Trackmania, mais en mieux, ils ont amélioré tout ça pour que ce soit encore plus fluide, pour que la conduite soit encore plus fluide, plus mouvementée que possible, que jamais. Et je pense que le mode online est assez sympa, même si bon, c'est sans plus quoi, c'est juste un rajout quoi, parce que je pense que on joue contre des autres joueurs, bah c'est du matchmaking, hein. C'est du classique, même si c'est toujours sympa. En tout cas, moi j'ai déjà joué online avec Trackmania United, c'est en fait à chaque fois des courses assez courtes, et pendant 10 minutes on fait toujours des temps, et celui au bout de 10 minutes qui a le meilleur temps, bah il gagne.
Je parle très bien la Flance, mais vous m'avez compris. Et je trouve que cette méthode est assez sympa. Je sais pas s'ils ont fait ça dans Turbo. Mais voilà, je pense que si, ça doit être du même style. Puis il y a des histoires de tournois, comme vous pouvez le voir, et il y a toute une communauté aussi pour Trackmania. Donc voilà, aussi je vous ai pas montré, oui, le garage, attention! Mais qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Mais on peut, bah, comme dans United Forever, on peut customiser un peu nos véhicules. Enfin, juste les couleurs, hein, on peut pas augmenter leurs caractéristiques, tout ça, évidemment. Parce qu'on est quand même dans un jeu arcade. Et donc il n'y a pas des véhicules plus forts que d'autres, finalement. Enfin, il n'y a pas énormément de véhicules différents, il n'y a que un véhicule par par zone, quoi. Donc il n'y en a que 4 par environnement. Donc voilà, par exemple, je sais pas, moi je prends ça, voilà, c'est fort joli. Non, c'est moins bien, je préfère ce que j'avais pris, voilà, mon préféré. Voilà, avec le 666, le chiffre de la mort. Donc voilà, vous avez compris ce que c'est. Par contre, petit point à mix musical. Ah, ça doit être les musiques qu'on a pendant qu'on fait les courses. Donc voilà, vous voyez, c'est des musiques. Ah, c'est de la dance un peu. Un petit côté Daft Punk peut-être. Ah, c'est assez sympa, mais bon, moi. J'aime bien Daft Punk pourtant, mais là, par contre, je suis pas trop fan de ça. Voilà. Voilà, au moins vous pouvez entendre les musiques enfin dans ce vidéo test, c'est incroyable. Et donc voilà. Sur ce, j'ai plus rien à dire. Je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures, pour des nouveaux vidéo tests et des rétro tests.